kukasai bana muya aboma nikachorwa samana komana bachule oh ni mukate kichwa uba uwe pamusha aboma aboma ngabenyi chebeany. Oui, Aboma, c'est la mort. Il se fait accompagner de plusieurs catcheurs du club Safari et même ceux-là. Aboma, Mfalme, il est renforcé en puissance parce que là, c'est Kuma qui est en train de nouer la hanche d'Aboma avec ses différents tissus, histoire de le renforcer un tout petit peu en puissance. Voilà, on est en train de les charger. Allez, il est renvoyé. Aboma qui a entraîné l'ISAPO, c'est l'entraîneur de l'ISAPO, Kandinda Kada Damagloire. Et on attend l'arrivée du grand félin. On attend l'arrivée du grand félin, le patron de la frappe, le vieux qui assure. Il s'appelle Aboma. Il est à Kawama, ensemble avec Tchouma. Il est quand même plus âgé que Tchouma. Celui-là même, le sage de Kawama. Aboma, il vient de recevoir quelques conseils de Tchouma Akoumaï. Regardez comment les acolytes de Tchouma sont bien habillés. Hein. Je me dis, c'est parce que Tchouma organise bien les choses ou bien parce qu'il a beaucoup d'argent. Bon, il a des moyens. Il a des moyens parce que pour bien s'habiller, il fait un peu des moyens aussi. Et nous sommes en train d'attendre l'arrivée de Jibik, les disciples ou encore les coéquipiers d'Aboma. De l'autre côté, Aboma qui va se concentrer un peu, il fait sa prière, deux doigts à l'air. Oui, il fait sa prière, mais il sait que Tchouma Akoumaï est là. Aboma, c'est un monsieur cool de Kawama, il est tout le temps là-bas, il fait ses incantations, il sait qu'il va catcher avec une grande personne, le grand félin, le chambouille le plus suspect. Le faux vieux, comme Chris Zéou l'appelle. Nous attendons l'arrivée de Jibik. Mesdames et messieurs, voici pour vous Kamanga Jibika, le patron de la frappe, le vieux qui assure. Derrière lui, il y a le sorcier du ring, son adjoint. Il part de l'autre côté pour saluer ses adversaires. C'est lui-même qu'on appelle champion. Chris Zéou, ton faux vieux. Voilà, Moufalme. Chaque fois que Jibik arrive, Mulozi est toujours à ses côtés. On dirait un disciple, un fidèle des fidèles. Il est à côté de son maître. C'est lui-même l'adjoint. Hein? Parce qu'après Jibik, c'est Mulozi dans ce club. C'est comme ça qu'il assure. Il a salué les fans, le technicien, le patron de la frappe. C'est le léopard, le vieux qui assure. Attention, il monte petit à petit. C'est celui-là même. Le champion de cette province, il est en lunettes, très bien habillé, bien battu, avec sa peau de léopard. C'est le grand félin, bienvenue de Champ. Voilà, c'est le grand félin. Jibik vient d'entrer, il a déposé sa machette sur le tapis et il monte sur la machette tout en se débarrassant d'abord de ses lunettes fumées. Zulu qui a pris les lunettes. Là, il faut également se débarrasser de la peau de léopard. C'est un combat équilibré aussi parce que Aboma, ce n'est pas un catcheur des moindres, c'est un maître, c'est un catcheur qui s'entraîne très bien, qui maîtrise bien la technique. Sur le plan technique, il y a quand même compatibilité. Alors, c'est l'arbitre Apollo, non plutôt l'arbitre Bamayo, qui est un ancien catcheur, il est de la Katouba, celui qui est en train de contrôler Kamanga Jibika. Et de l'autre côté, c'est Aboma qui est déjà contrôlé, mais la hanche est nouée par les tissus de Tchouma Akoumaï. Moussungu et Tchouma sont là pour renforcer un peu Aboma en puissance, pour qu'Aboma puisse avoir une assurance. Pour qu'il puisse avoir une assurance en rapport avec ses combats. Et Jibik
Et il est calme. Il observe Aboma. Et il avance triomphalement vers Aboma. Il faut commencer par ce qu'on appelle la salutation des catcheurs. Apparemment, il est embrouillé par Kiuma. Bien quoi, Kiuma, c'est un manque. Na jibika ego na raison ya kumwambia arbitre Apollo amuchofeshe chuma mbari sana seki normal mukati bana bamba boma aboma di cool aboma kubale bana famia bien kukasai bana moya aboma nikachoro wa zamana komana ba chuchu sidaba mu club moya d'ailleurs kurwa banzevu voilà nzevu ndi bana club mwana aboma aboma di cool ale bana bobola me aboma bo ba ke nini. C'est la question. Est-ce que yo aussi au moins le dit beaucoup, dit beaucoup de Jibik. Ah oui, dit beaucoup de nini. Mukono. Mufalme, aussi au moins dit beaucoup. Oui, nous voyons ça tous les jours. Qui avait dit ça? Aboma, c'est mal le bord, le bord monnaie ça. Non, Aboma. Oui. Aboma a commis une erreur. Il devrait quand même commencer par la technique. Voilà. Gabeni, Chebian. Voilà. Eh, on est des catcheurs, mais voilà ce qu'il fait. Joe, erreur, mais peut-être une erreur. Bana bobo la tena na katala. Sebeya ni tatuani. Anju sebeya. Anju sebeya. Même abo madikul. Ntuta Ngabeni. Ngabeni. Sebeya ni. Jibika nangaria. Abo mego ma esprit, mais il fallait faire technique parce que les catcheurs, moi, on a fait technique sans m'falme. Oui, abo ma c'est un technicien. Il donne un coup superstitieux à Jibika. Regardez le champion par terre. Mais Moufalme Aboma devrait quand même faire la technique. C'est le moment quand Jibik est assis comme ça. Il faut profiter pour faire la technique. Mais qu'est-ce qui vous prouve que Jibik fait la technique? Parce qu'il fait aussi de la superstition. Non, il faut quand même commencer par la technique. Tout commence par là. Aboma, il est de nouveau étranglé par Jibik. Un coup de manchette. Ngabeni, Ngabeni, Chebeyani. Voilà, c'est comme ça qu'il a tout résisté. Ça veut dire que je refuse. Tue-moi. Tu ne vas rien faire. Monsieur, tu joues avec les autres. Moi, je m'appelle Aboma. Donc, je suis déjà un cadavre. Voilà, un coup reçu par Aboma sur sa poitrine. Il vient de quitter le tatami, appuyé par Chuma Akumai, qui est bien sûr son chef spirituel. Chuma demande à Aboma de regagner le tatami. Aboma est reçu par le grand félin, le vieux qui assure, le patron de la frappe. Le grand félin reçoit Aboma petit à petit par-dessus de la troisième corde. Ça s'appelle Diditi. Ouais, c'est le Diditi. Chris Nzeu. Aboma n'a rien foutu dans ce combat. Wapi, Aboma se fâche. À part ma mouvement qui est ma mystique, mais j'ai bien qu'on a bamba dit si nous sommes DDT. Oh, ni moukate qui tu as. Où va où pas mouche béa. Voilà. 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 Aboma est planté, mesdames et messieurs. Il faut compter. Aboma m'a déçu, Chris Nzeu. C'est quelqu'un qui connaît bien la technique. Il fallait commencer par là. Voilà, Kiuma Akumai, il va tenter de le réveiller. Il va tenter de réveiller Aboma. Allez, 8, 9, et enfin 10. Victoire de Jibik, Chris Nzeu. Victoire de Jibik, Mfalme. Victoire de Jibik, une victoire méritée, l'homme de la libération. Victoire confirmée par Bamayo, l'arbitre international. Nous voyons le sorcier du ring qui a récupéré. Vampire vient de monter sur le tatami pour essayer un petit peu, n'est-ce pas, la force de Jibik. Vampire, il est là, mais il est face au grand félin, l'homme qui a catché Zabolo, l'homme qui a catché Edingwe, l'homme qui a catché Pelembe, l'homme qui a catché Mwarabu. Celui-là même qu'on appelle grand félin, il demeure champion de cette province. C'est le techno-tacticien, le patron de la frappe, le grand félin. Un coup à la tête. Vampire a oublié même son chapeau. Et c'est Musungu qui vient d'arriver. C'est Musungu qui vient de s'introduire. Oui, Kouya Okwe. Musungu qui est le secrétaire particulier de Kiuma Akumai. Allez, il est maîtrisé. On fait quoi?
un coup à la tête, Moussungu est sorti. Voilà, c'est un catcheur anonyme aussi. Il est anonyme vraiment parce qu'on ne le connaît pas. Il vient d'arriver. Voilà, il a fait un mouvement. Il est vraiment anonyme, il a l'air d'un cambiste celui-là. Ouais. Allez, il est planté. On a tué le cambiste. Ouais, il est dehors. Qui va me changer mes dollars? Nani t'a changé, ma héros? Nani t'a changé, ma kwacha? Charlie, peut-être Charlie a t'en changé. Bala tout matin, la vampire, baka on défend, fa fin. Et on est nato malgré lui. Ah oui, Anigatel. Voilà, on l'appelle vampire. Vampire. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait là? On va fracasser. Le sort d'un Pelembe. Regardez comment Jibika détruit. Il y a de l'autre côté, c'est Charlie qui est renforcé en puissance pour affronter Jibik. Charlie avec sa longue barbe suspendue au menton. Est-ce qu'il va s'approcher de Jibik? On ne sait pas. Voilà. Vampire est planté ici et de l'autre côté, c'est Jibik qui va sauter. Jibik, voilà, il frappe sa manchette et il pointe sa manchette là où il y a Charlie. Charlie qui avance vers Jibik avec sa barbe. Un coup à la tête, un coup à la tête. Charlie, encore un deuxième. Et là, Charlie est tombé. Soukoui. Ça sera Soukoui qui va avancer vers Jibik. Voilà, c'est les renforcements en puissance. Voilà, ça ne donne pas. Jibik y a placé sa manchette. Un coup, ça ne donne pas. Il va recevoir un surcroît de force à Kiuma. Et là, Soukoui qui ne tombe pas. Ça ne donne pas toujours, mesdames et messieurs. Allez, et là, Jibik est tombé un tout petit peu. C'est du face à face. Kiuma Akumai. Face à face. Allez, il faut rentrer dans le ring. Il faut entrer dans le ring. Moussungu est levé. Voilà, c'est Moussungu qui est maîtrisé par Soukoui. Kiuma, il va rêver également. Il va rêver, vampire. Vampire ne se retrouve pas. Il ne comprend même pas ce qui vient de se passer. On va rêver également les catcheurs anonymes qui vous appelez Cambis, monsieur. Donc, Adjina Balapat. Donc, à toi, mon appât. Il allait rester seulement à la poste en train d'échanger la monnaie. Ce Cambis ici. Aboma, il sera aussi réveillé par Kiuma. Aboma vient de se réveiller. Aboma est tombé. Aboma est tombé de nouveau. Qu'est-ce qu'il faut faire? On frappe un peu. Et voilà. Il vient de se réveiller. Alors, ça, comme au Congo, il m'a dit tout. Où qu'on y ait un gars, comme il m'a dit, on a mal à Camalon, on a mal à Katouba. Malheureusement. Voilà, Aboma, il rentre dans son coin avec ses amis. Avec ses amis accompagnés aussi d'un cambiste qui les avait accompagnés. Jibik appelle Kiuma. Qu'est-ce qui va se passer? Jibik refuse d'entrer. Il refuse d'entrer. Voilà, Jibik, il t'a combattu, Léonbel. Bon, combat, Léo, mon ami, il travaille bien, mais il n'a pas vu que j'ai entraîné quand il a mouru. Il a mouru, je veux dire. Bon, il a un dérangement. Non, il fait démonstration. Dérangement, il est dérangé. Chachung est quoi que tu as combat là? Maintenant, c'est mon groupe. Mais c'est mon groupe. Je t'en pique à pique à toi, ta femme. Voilà, à Mingisan. Ah, Kintu. Ça va. Voilà. J'ai vu qu'à la semaine, on a pris la pique. Bon voyage, à toi, mon Kimbi. C'est du face à face. C'est du face à face. Jibik face à Kiuma, ça ne donne pas toujours. Jibik est très concentré.
beaucoup de concentration. Il va demander la machette. Voilà, Jibik qui est en train de refuser. C'est Jibik face à Tchouma. Le dernier jour, les deux catcheurs vont devoir se battre. L'homme de Kawama. Il veut demander la machette, oui. Mais en dansant un peu. Oui, il dit je suis le protocole des éboules. Mais c'est bandé, demander ce n'est pas demander. Jibik a refusé. Voilà. Il appelle Kiuma dans le ring. Jibik, il est vraiment très à l'aise. Il n'a pas peur de Kiuma, malgré sa superstition. Il dit, il t'a mou à Omtoto. Voilà, Kiuma va s'introduire, mesdames et messieurs. Ce sont des démonstrations, parce que ce sont les deux adversaires de taille qui sont en train, bien sûr, de se préparer pour peut-être casser le dimanche. Voilà, il appelle Bona Kabinda. Mwarabu aussi vient d'arriver. Mwarabu est masqué. Hein. Apparemment, il a un petit chapeau. Oui, il est toujours comme ça parce que quelque part là, il est considéré comme un catalyseur. Il a une ceinture orange, un peu habillé de manière classique. Mwarabu face aux deux belligérants qui se trouvent sur le tatami. Tchouma et Jibik en train de chercher à se ravir la machette. Mwarabu vient de les faire tomber. Il dit, vous êtes des enfants, quittez quand même le tatami, le dernier jour c'est le dimanche. Voilà, Mwarabu vient de couper court à tout ça. Et on attend l'arrivée du catcheur Dani. Donc Mwarabu va affronter Dani. Et Jibik rentre dans son vestiaire. Et Mwarabu va recevoir Musungu. Musungu, qu'est-ce que Musungu va faire? Et là. Musungu voulait ravir le chapeau de Mwarabu. Malheureusement, apparemment il s'est brûlé. Apparemment il s'est brûlé. Tu manques l'équipe. Vampire. Vampire ne se fatigue pas. Voilà, ils sont brûlés. Et là, de l'autre côté, c'est Jibik face à Debaba. Voilà, Jibik face à Debaba. Bienvenue, Kamunga. Passi, pacifique, Tchini. Attention, Tchini. Ouragan, Tchini, Malangire. Après, Tchouma. Ni Debaba, anti. Donc nous allons s'attendre à Debaba face à Jibik Wamakanjinga. Wamakanjinga na tout, anéga mpanga tina la panda. Le grand félin, tout grand félin. Debaba roi salé, pana nyangula. Mama. Wamakanjinga face à Debaba roi salé. Debaba. Debaba Anayala, RTCL. Oh, voilà, tout pas de baba. Mama. Ala Shimama, roi salé. Bon, quoi, Jibik, tu peux en regarder, c'est petit. Nous, ma carisan. Bala bamba, t'es la power. Est-ce que power est ta bamba? Wapi, Kofi, de baba, tchini. Arakata, la roi salé, c'est ma bongo vie. Vion en pique, cassane, miapa. Minjo de baba, roi salé, la bamba, kumara, stayaki. Yo, le kumela, Jibik, ou ma kanzinga, le roi de machette. Attention, bana kutana tena karibu, Jibik wa makari sana, mwamama yote de, bana bamba tena Debaba. Debaba, hauna na buluma, Messi wako mchunge bie, partike u, kibasa maliba, wapi Debaba situka, Jibik anenda, muna sentir, Debaba fasa wa makanzinga, Jubika, Jubikilai vis-à-vis. Mais Debaba pour l'instant, si Bobo est tout bas, parce que Bobo est figé. Jubika, Makari, Antoja Kouina, et puis enfin, faire démonstration comme il y a. Il y a Tchouma Koumaï, Debaba, on a Tompola, on a Bogabor, Wapi. Et on a les Keya, C'est Bobo, il fika. Moukou, Bobo, il fika. Tchouma Kalme, Aïko Koumba, Angou, Tchouak, Nanouma, Mbassana, Tchouma, Menishima, Mekovie, il est Mamouya, Tassoumra, Tara, Mkatouba, Minom, Kisanga.
Katubana Kisangani, 200 francs. Eh, maman, Chibasu, Barabamba de Baba, La semaine invocation, il va. Yo, Chibasu, quoi calme, Borina Panda, il faut maintenir Vassia à Mingisana parce que combien de ni. Allez, regardez Victoire, Yawama Kanzinga, Jubika, Kumbele, ya Kacheur. Kule mama kule ni moto na waka anatanda bakacher chini bena bobolana ba booster kuroka ba ale Apollo ane sa vala Apollo ena kataza paske roa stale antoka kupikiwa sana kumele wa makanzinga Jibika maître Dani face à mwalimu Marabu en mystique. Il t'a encore un dernier combat. Merci. Comment les beautés n'ont pas de télé canal Mbashi. Comment les beautés vont se déplacer.